La petite astuce est d'appuyer comme ceci très délicatement avec les doigts. On vient enfoncer la pâte dans les interstices. Ça libère un espace pour pouvoir y mettre ensuite plein de bonnes choses. J'ai ma pâte à tartiner. Je vais en mettre très généreusement à l'intérieur. Le but, c'est d'être gourmand. On en met bien partout. Très généreux, ça va super bien avec la pâte feuilletée. Je récupère les petites bananes. La petite astuce, c'est d'appuyer comme ceci. On prend notre petit ciseau, on découpe le bout de la banane et on s'en sert comme une poche à douille, comme ceci. On en met dans les interstices, comme tout à l'heure avec la pâte à tartiner, on appuie. N'hésitez pas vraiment à appuyer si c'est pas assez mûr. On vient récupérer les noisettes. On va ajouter de la gourmandise, de la texture, un peu de goût. Ça marche super bien avec la banane. On vient mettre par-dessus notre pâte feuilletée comme ceci, délicatement. On recouvre le tout. Voilà, magnifique. On récupère la plaque. Très important, ça va ajouter du poids et permettre à la pâte de lever plus facilement. J'ai sorti mon pain au chocolat four, je l'ai laissé refroidir évidemment. La couleur est superbe, on va venir le portionner comme ceci. On essaie d'être très délicat, voilà, on coupe en deux dans ce sens-là. Ok, je le retourne pour le couper encore une fois. On vient les couper en deux pour donner une forme rectangulaire. Donc là, on a vraiment des petits pains au chocolat. J'en récupère un, on vient le tremper en bière un petit peu, ça va donner une petite forme assez sympathique. On racle, je viens rajouter des petites noisettes concassées sur le dessus. On met ça à côté de son pote. Je récupère et là on vient faire exactement la même chose mais de l'autre côté. Ça crée un motif qui est particulièrement sympa. Même chose, les petites croustilles sur le dessus. Tu aimes cuisiner? Découvre le magazine Chef Club Kids. À chaque numéro, de nouvelles recettes et un emporte-pièce exclusif. En vente au rayon presse et sur panini.fr.